Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'intéresse au trésor africain. Comme vous savez, le sol africain est très riche en ressources naturelles. Le continent possède à lui seul plus de 60 types de minerais différents, soit un tiers des réserves mondiales. Le continent détient 7,2% des réserves mondiales de pétrole. La Libye, le Nigeria, l'Algérie, l'Angola et le Soudan du Sud sont les pays les plus riches du continent en or noir. À noter que les pays les plus pauvres en ressources naturelles en Afrique sont le Burkina Faso, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Ceci étant dit, voici maintenant les 10 pays les plus riches en ressources naturelles du continent africain, en valeur estimée. On commence par le numéro 10. L'Égypte. L'Égypte dispose d'un sous-sol extrêmement riche en ressources minérales, réparties dans différentes régions. L'or, le cuivre, l'argent, le zinc, le platine, le pétrole et le gaz sont les principales réserves de l'Égypte. En mai 2020, un important gisement d'or a notamment été découvert dans le sud-est du pays. Cette énorme réserve est estimée à 30 tonnes. Par ailleurs, l'Égypte possède un important gisement de gaz en Méditerranée. Numéro 9. Le Zimbabwe. La deuxième réserve de platine au monde se trouve au Zimbabwe. À noter que le platine est une matière indispensable pour l'industrie, il est employé dans différents secteurs comme la bijouterie et l'automobile. Au-delà du platine, le Zimbabwe est riche en réserves de diamants, de charbon, de chrome, d'amiante, d'or, de nickel, de cuivre et de minerais de fer. Le Zimbabwe a plus de 15 millions d'habitants en 2022. Malgré ses énormes ressources, l'économie du pays ne décolle pas. Elle est ruinée par les conflits et la mauvaise gouvernance. Numéro 8. Le Niger. L'uranium et le pétrole sont les principales réserves de ressources naturelles du pays. Le Niger est le quatrième producteur mondial d'uranium. L'extraction de cette matière est sa principale source de revenus. Le Niger possède aussi d'autres ressources naturelles sous-exploitées comme le charbon, le gaz, l'or et la bauxite. 75% de la population nigérienne a moins de 25 ans, ce qui fait une autre ressource importante pour l'économie du pays. Dommage que le pays ne profite pas de ces énormes avantages économiques et industriels que peu de pays possèdent. Numéro 7. La Zambie. La Zambie est classée parmi les 10 premiers producteurs de cuivre au monde. Le pays possède un sous-sol extrêmement riche et divers. Au-delà de cuivre, le pays possède des réserves de cobalt, de zinc, de plomb et de charbon. Numéro 6. Le Mozambique. Le Mozambique est le champion de la production d'aluminium en Afrique avec ses 32%. Mais est aussi l'un des États les plus endettés de l'Afrique australe. Au-delà de l'aluminium, le Mozambique possède un gisement géant de gaz situé à Mamba. Sa réserve seule est estimée à plus de 1133 milliards de mètres cubes. De plus, le sous-sol de Mozambique est riche en charbon, en graphite, en phosphate et en rubis. Numéro 5. La Namibie. Uranium, diamant, cuivre, la Namibie a de très nombreuses ressources minérales. La mine de Usab, qui est située dans le désert du Namibie, est la troisième mine d'uranium à ciel ouvert du monde, derrière le Kazakhstan et le Canada. Plus de 2 500 000 habitants en 2021, l'économie de la Namibie repose essentiellement sur ses ressources minières. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. On continue. Numéro 4. La République démocratique du Congo. Le coltan, une matière précieuse qu'on trouve dans chaque téléphone portable. La République démocratique du Congo est le plus grand producteur de coltan au monde. De plus, c'est un des plus grands producteurs de diamants et de cuivre d'Afrique. Ses gisements miniers sont estimés à 24 000 milliards de dollars. Numéro 3. L'Afrique du Sud. Le sous-sol sud-africain est particulièrement riche. D'énormes réserves de métaux sont réparties sur tout le territoire national. L'Afrique du Sud est le numéro 1 mondial dans la production de chrome, de manganèse, de platine, de vanadium, de vermiculite, et numéro 2 dans la production d'ilménite, de palladium, de rutile et de zirconium. Numéro 2. Le Botswana. Le pays est le premier producteur mondial de diamants en valeur. Or, nickel, carbonate de soude, cuivre, ces ressources naturelles sont partout sur le territoire national. Et enfin, le pays qui possède la plus grande réserve de ressources naturelles en valeur estimée, c'est le Nigeria. Le Nigeria est le cinquième producteur de pétrole au sein de l'OPEP. D'énormes réserves de métaux se trouvent dans ce chanceux pays. Avec une bonne gouvernance, le pays pourra peut-être devenir une grande puissance économique mondiale. On arrive à la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.